L'infomédia qui fait la une ce matin, c'est le coup d'éclat de Jean-Frédéric Poisson. Hier soir, le candidat à la primaire de la droite et du centre était invité sur France 3. Et en plein direct, en pleine interview, il a quitté le plateau pour dénoncer le traitement indigne que lui auraient réservé les chaînes de France Télévisions depuis le début de la campagne. Jérôme Ivanichenko, vous êtes notre expert média. Hier soir, on a assisté à une passe d'armes assez rocambolesque. Oui, à moins de 24 heures du troisième et dernier débat de la primaire, le journaliste Francis Letellier recevait le député des Yvelines et président du parti chrétien-démocrate. Mais en effet, dès le début de cet entretien, on comprend que rien ne se passera comme prévu. Écoutez. Demain soir, dernier débat. Dans quel état d'esprit vous l'abordez ? Monsieur, je vais déroger à une des règles que je me suis fixée jusqu'ici dans mes relations avec la presse. Je ne vais pas répondre à vos questions. Alors, cette déclaration, elle a le mérite de la clarté, mais elle désarçonne Francis Letellier et le téléspectateur. Jean-Frédéric Poisson va tout de même s'expliquer sur les raisons de son refus. Le traitement qui m'a été infligé depuis le début de la campagne par France 2 et France 3 est indigne. Vous avez reçu sur ces deux chaînes de télévision pendant des durées très longues mes concurrents. Mais vous savez qu'on vous invite ce soir. Jusqu'ici. Parce que vous savez qu'on peut aussi arrêter l'interview ici. Que jusqu'ici. Oui, bah, si vous ne répondez pas aux questions. Non, mais je ne vais pas répondre à votre question de toute façon. Jusqu'ici. C'est pas très démocratique. Mes concurrents ont été reçus dans des grandes émissions sur France 2. Je devais passer ce soir sur le 19-20 de France 3. Ça a été changé au tout dernier ça, moment. Tout ça, et donc, c'est autre chose. Non, c'est pas autre chose. Il y a l'actualité. Vous avez vu, il y a Emmanuel Macron qui est candidat à la présidentielle. France Télévisions a décidé de traiter la candidature qui est la mienne. Alors Jean-Frédéric Poisson se considère sous-exposé par rapport à ses concurrents. Il estime qu'il y a un déséquilibre entre ses apparitions sur France Télévisions et celles de ses adversaires. Il fait notamment allusion à l'émission politique de France 2, mais aussi à Dimanche en politique sur France 3, animée justement par Francis Letellier. Deux programmes qui ont invité Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, Bruno Le Maire et François Fillon, mais pas les autres candidats. Il y a quelques semaines, Nathalie Kosciusko-Morizet s'était plainte de cette forme de mépris médiatique à l'égard des petits candidats. Cette fois, c'est au tour de Jean-Frédéric Poisson de l'exprimer, mais il le fait en direct dans une émission qui lui donnait pourtant la parole. Mais Francis Letellier va tout de même tenter de sauver son interview. Oui, et il lance l'épineux sujet des sondages. Il crédite Jean-Frédéric Poisson de 1 à 2% d'intention de vote pour le scrutin de dimanche prochain. On peut imaginer que ça n'intéresse pas particulièrement le candidat. Il voudrait pouvoir parler d'emploi, d'agriculture, des territoires d'outre-mer, des sujets sur lesquels on ne l'interroge jamais. J'aimerais vous parler, encore une fois, de travail, de sujets importants qui intéressent les Français, et pas des choses qui ne les intéressent pas. Vos prises de position, par exemple ? Par exemple, quand vous dites que vous pourriez voter pour Marine Le Pen, ça peut intéresser les téléspectateurs. Ça n'intéresse pas les téléspectateurs, j'ai répondu 20 fois. Donc écoutez, puisque visiblement vous n'avez pas l'intention d'écouter ce que j'ai à vous dire... Non, c'est vous qui avez dit que vous ne pourriez pas répondre aux questions. Je quitte ce plateau, monsieur, je vous remercie de votre invitation. Merci Jean-Frédéric Poisson. Merci. C'est ce qu'on appelle faire du buzz à pas cher. Alors l'entretien tourne au vinaigre, Jean-Frédéric Poisson quitte le plateau et ça inspire ce commentaire du journaliste, vous l'avez entendu, qui voit dans ce coup d'éclat une tentative d'attirer un peu plus la lumière sur lui. Et visiblement, c'est réussi. Et oui, puisqu'on en parle ce matin, c'est vrai que si Jean-Frédéric Poisson n'avait pas l'intention de répondre aux questions qui lui seraient posées, pourquoi s'est-il rendu sur le plateau de France 3 ? Il aurait pu tout simplement décliner l'invitation, mais non, au lieu de ça, il a tenu à faire le déplacement. On peut penser que le coup était un peu prémédité, d'autant que celui qui est un peu l'illustre inconnu de cette primaire en a profité pour faire buzzer cette séquence. Tout juste sorti du plateau de France 3, il a posté un message sur son propre compte Twitter avec le mot-clé « Clash Poisson ». En tout cas, entre le candidat et France Télévisions, il y a de la friture sur la ligne. C'est bon, je crois qu'on les aura toutes faites, décidément, les jeux de mots. Avec Jean-Frédéric Poisson, on le retrouvera ce soir à égalité, là pour le coup, avec les autres candidats, dans le débat décisif de la primaire de la droite et du centre, événement que vous propose France 2 et Europe 1 à partir de 21h. Et tout à l'heure, à 10h, on ira précisément dans les coulisses de ce débat. Vous pouvez dès à présent poser toutes vos questions au 39-21. A tout de suite sur Europe 1.